Ouais, mais ça le faisait pas avant. Ça joue de la peau. Ouais, mais ça fatigue. Donc à la fin, faute de solution, le PDG appelle tous les employés de l'entreprise sans exception. Et oui, mais de toute façon, tu fais ce que tu veux. Et dit voilà, les ingénieurs sont à court d'idées, sont des clients réalisés, on va essayer de mettre ça là pour que ça fonctionne. Puis silence de mort, et puis d'un seul coup, un gars lève timidement la main. Il a mis Laurent tout le temps au même endroit, la colonie efficace, voilà. Bah, il lève timidement la main et puis il dit, moi je propose qu'on fasse des petits trous tout le long, puisque ça casse tout le temps au même endroit, on fait des petits trous là où ça casse, tout le long. Ça va pas dans le sens de la logique, puis on s'est engagé à faire n'importe quoi qu'on proposerait, on va le faire. Et on teste, et ça vibre, et ça passe, et ça tient. On n'a pas le temps, on dit, écoutez, fantastique, vous êtes dans quel bureau d'études, etc. Il dit, non, moi je suis pas dans un bureau d'études, moi je m'occupe de l'entretien, je nettoie, etc. Il lui dit, mais comment vous c'est génial. Il dit, bah vous savez, j'en ai changé des rouleaux de PQ. Hein. J'ai largement le temps d'apprendre que ça ne cherche jamais là où il y a les trous. Ça se quoi ça, tu la raconterais. Bon, alors, maintenant. J'ai plus, tu reviens de la pince à chapeau. Oui, c'est bon. C'est parti. Un nombre de 4. Je veux pas. L'essence des trucs. Ah, voilà.